maintenant notre rubrique insolite nostalgie. Toute notre jeunesse, loin des consoles où l'on est face à l'écran, nous voici debout, jouant des doigts et des hanches en mouvement frénétique pour empêcher la boule d'arriver à la fin du parcours et faire ainsi péter le méga score. Pour cela, direction le musée du Flipper à Saint-Hilaire-de-Brettemasse dans le nord du département. Et Fred, t'as pas un franc? On se fait une partie? C'est quoi cette fausse pièce là? Bon allez, on va dire que ça marche quand même. Et je vis comme une boule de Flipper qui roule. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Panneaux lumineux et billes chromées brimbalantes dans tous les sens, l'un des seuls musées en France entièrement consacré aux flippers et aux jeux anciens se trouve en Languedoc-Roussillon et plus précisément à Saint-Hilaire-de-Brettemasse, proche d'Alès. Au total, près de 600 flippers des années 1900 au 16 se retrouvent exposés au cœur de 6 salles à l'atmosphère des années d'avant-guerre. Tous ces trésors appartiennent à Denis Payès, qui attrape le virus du collectionneur durant son enfance, aux côtés de ses parents, dirigeant à l'époque d'un bistrot. Ça a été toute une vie. Tous les jeux que mes parents avaient à l'époque, j'ai eu la chance de les garder. On a les bolis qu'il y en a pas mal, qu'il n'y en a pas manque de place, parce que c'était aucun intérêt à l'époque. Maintenant, les jeux sont très recherchés. Et petit à petit, j'ai monté une collection comme ça, sans savoir qu'un jour, j'arriverai à ouvrir un musée. En parfait état de fonctionnement, ces machines ont tout de même demandé une sérieuse remise en état avant leur exposition. Dans son atelier, Denis joue les chirurgiens de l'électronique. Avec l'expérience, il arrive rapidement à localiser les problèmes techniques sans grande difficulté. Tous les appareils qui rentrent, je les passe à l'atelier. Et là, automatiquement, on les refait de A à Z. Et on change de méthode toutes les pièces défectueuses. Pour un appareil, il faut compter au moins 4 jours de travail. Et on est content qu'à l'appareil, mettons, il est OK de marche, parce qu'un appareil qui n'a pas marché des fois de 20 ou 30 ans ou 40 ans, c'est quelque chose auquel on est content. Voilà, une panne de relais, qu'il a été, normalement, c'est pas la faute de l'appareil, c'est la faute qu'il a été manipulé, voilà, il est coincé. Et pour s'approvisionner en pièces détachées que l'on penserait introuvables de nos jours, Denis connaît un très bon fournisseur spécialisé en la matière. On a tellement démoli d'appareils à l'époque que ça n'avait aucun intérêt. J'ai démoli les caisses, mais j'ai gardé les pièces détachées. Je suis sûr que maintenant, je suis capable de trouver toutes les pièces. En résumé, aucune panne ne lui résiste. Et pour partager sa passion, Denis vous donnera le franc symbolique, la pièce magique qui, juste le temps d'une partie, vous replongera dans l'univers des 30 glorieuses. Voilà, on passe un passage. Et là, la clientèle, ils sont contents parce que vraiment... Ils retrouvent le. Comme beaucoup de personnes me disent, l'âge un peu de leur génération. La passion de Denis redonne vie aux ancêtres des jeux de console et partage les lieux avec un rival de taille, le jukebox. Séquence nostalgie. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait. Pour moi, principalement, le jukebox, c'est quelque chose de... C'est un mythe pour moi, c'est que... Il n'y a pas mieux que ça. Dès que je vois un jukebox, c'est n'importe lequel, plus ou moins bien, plus ou moins joli, mais quand même, on ressent un coup de cœur. Parce qu'un papa, le temps qu'on a connu ça, c'est pas du temps de maintenant, vous voyez, c'est un peu... C'est le cœur. Et le cœur a aussi ses préférences, comme dans le choix des marques leaders sur le marché des années yéyé, que Denis présente à tous les curieux. Vous avez quand même du matériel français, Jupiter et Mafone, parce que souvent, ils étaient un peu moins chers que les autres. Beaucoup de cafetiers préféraient, ou alors exploitants, acheter du matériel français. Malgré tout, ni les flippers ni le jukebox ne peuvent égaler le succès d'une des machines préférées des visiteurs, le Bouddha 10 heures de bonne aventure, qui vous donne votre horoscope. La personne met une pièce d'un franc à l'époque. On pose la main sur un clavier là, et quand l'horoscope arrive sur le numéro en question, il sort un ticket
où il dit le système de l'horoscope. Et trois quarts de personnes, ils retrouvent dans ce fameux ticket leur prévision. On dirait que c'est fait exprès. Hein. Remarquez, c'est un peu l'horoscope. Il faut y croire ou pas. La passion de Denis n'est pas prête de s'éteindre tant que la flamme de l'enfance brûlera encore en lui. Oh, eh bien, ça ne me dérange pas parce que moi, l'âge que j'ai toujours 20 ans. C'est comme ça. Sa collection continue à s'enrichir grâce à de nombreux donateurs. Seule problématique à ce jour, c'est que Denis n'a pas envisagé de pousser les murs de son musée. Notre lieu à découvrir à Sainte-Anastasie, la grotte de la Baume-Latronne est l'une des 5 grottes ornées du département du Gard. Creusée dans le calcaire des gorges du Gardon, elle se situe à 3 km en aval du petit village de Russan. Cette cavité fait partie d'un complexe assez étendu comprenant d'autres grottes. La Baume-Latronne a été classée monument historique en 1941, mais la cavité était connue depuis longtemps. En 1890, le colonel Potier fouille l'entrée et met au jour des couches archéologiques contenant des céramiques et d'éventuels vestiges du paléolithique. Supérieur. Il faut attendre 1940 pour que l'art pariétal soit révélé. Au niveau de l'origine du nom, on a deux versions possibles. Soit la Traïs, qui veut dire lépreux, donc ça pourrait être la grotte des lépreux. Les gens venaient se mettre à l'abri dans cette grotte quand ils étaient pestiférés, ou à l'inverse, quand toute la région était pestiférée, ce sont les gens saints qui venaient se mettre à l'abri. Ou la Tronis, qui veut dire soldat en armes, soldat qui porte une lance. Donc il faut savoir que cette grotte a servi de base arrière pour surveiller le fort Sainte-Anastasie quand il était assiégé. Donc ils pouvaient se mettre à cet endroit pour pouvoir surveiller le fort et se mettre à l'abri, manger, dormir. Dès la découverte des œuvres pariétales, la grotte souffre du passage des hommes et subit des actes de vandalisme. Les galeries et la zone ornée sont dégradées au fil des visites clandestine. Depuis 1976, la grotte est surveillée par la Direction régionale des antiquités préhistoriques. Dans l'une de nos prochaines émissions, nous vous proposons de pénétrer au cœur de la grotte, une plongée dans l'histoire à ne surtout pas rater. Les petits monstres d'Halloween vont bientôt pointer le bout de leur nez et vous sommer de leur donner des bonbons à croquer. Vous ferez alors semblant de trembler. L'histoire insolite que l'on va vous raconter ici risque bien de vous perturber. C'est au diable que nous nous rendons, le Mas du Diable, exactement sur la commune de Galargues-le-Montieux. Cet endroit alimente les rumeurs les plus folles. Un fantôme habiterait les lieux. Une enquête de Frédéric Siller. On y entendrait des voix, des lamentations. Certains prétendent y avoir aperçu un fantôme, l'esprit d'une femme. Depuis plus de 50 ans, cette bâtisse en ruine suscite l'inquiétude. Celles et ceux qui la connaissent lui ont donné le surnom du Mas du Diable. Au bout d'une allée de platanes, c'est un masier laissé à l'abandon que l'on y découvre. Avec le temps, la nature se l'est approprié. Rattaché à la commune de Galargues-le-Montueux, le Mas du Diable porte son nom par sa situation géographique, plus que les légendes qui l'entourent. Le Mas du Diable, tout simplement parce que c'est un lieu qui est très éloigné du centre de la commune. Il y a une expression qui dit « c'est au diable », c'est-à-dire « c'est très loin ». Et la maison a été construite au sud, à la limite de la route nationale avec la commune d'Aimargues. Sur cette route nationale, la 113 vers Lunel, l'industrie Royal Canin. Faite de fer et d'acier, l'usine tourne souvent à plein régime. Le bruit des chargements de camions et de la circulation, et vous voilà prêt à entendre d'étranges bruits. Les bruits de la route ou de l'usine peuvent effectivement alimenter l'imagination. Et si on a de l'imagination, de toute façon, on peut tout voir et tout entendre. Le Mazet existe sur le cadastre de 1760. Au 19e siècle, il appartient au maire du village, Jean Bruneton. Au fil des années, le Mas est racheté et transformé en local viticole et de distraction. Ça a surtout été un Mazet
qui permettait d'une part aux viticulteurs qui venaient du village de passer la journée pour faire leurs travaux sans avoir à retourner, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de tracteur. C'était un lieu agréable et comme dans tous les mazés, bien, les Galargois venaient pique-niquer le dimanche. Et là, il y a certainement de nombreux fantômes de lapins et d'escargots qui ont été mangés à cet endroit. Les premiers récits mystérieux commencent après le décès d'une femme, dite brûlée vive dans un incendie. Ce tragique événement doit avoir alors laissé des traces. Pour être pénétré dans la maison à une époque où elle était en meilleur état, je peux vous dire qu'il n'y a aucune trace d'incendie. Maintenant que les enduits commencent à tomber, on ne voit pas de traces d'incendie toujours sur les murs. Ayant travaillé sur l'histoire du village et sur son état civil, il n'y a aucune mention de crime ou de personne ayant péri, même dans un accident type incendie. Pourtant, sur la toile, dans de nombreux forums dédiés au paranormal, de nombreux témoignages attestent l'apparition d'une silhouette. Celle d'une femme qui apparaîtrait chaque année tard dans la nuit du 15 août à la fenêtre située derrière le mas, date d'anniversaire de l'incendie. Le 15 août, depuis ma maison à Galargues, je n'ai jamais vu ni de dame ni d'incendie pour le 15 août. Hein, il y a les feux d'artifice dans les villages environnants, mais rien sur le mas du diable à Galargues-le-Montule. Pas de traces de feu sur les murs, aucune preuve tangible de l'existence d'un fantôme. Alors comment cet endroit s'est-il réellement forgé la réputation de lieu hanté ? Cette maison a été squattée par un vieux légionnaire qui a habité ici pendant presque une dizaine d'années. La commune lui portait ses repas. Et lorsqu'il y avait des visiteurs nocturnes, bon, il a joué le jeu de la maison hantée en faisant du bruit et en éclairant des lampes électriques ou des bougies. Voilà ce qui a peut-être nourri cette histoire. L'ex-légionnaire, connu sous le prénom de Roger, n'habite plus le domaine. Le mas du diable attire encore quelques curieux, des passionnés de l'étrange qui pourraient tomber, hélas, sur de bien mauvaises rencontres. À ma connaissance, elle n'est plus visitée par les amateurs de monde étrange. Mais par contre, on peut retrouver ici des squatteurs ou des gens qui pratiquent des échanges et qui ne souhaitent pas être dérangés dans leur petit commerce. Autre danger, le délabrement avancé du site. Depuis son abandon par son ancien propriétaire, aujourd'hui décédé, le temps ronge l'édifice qui menace de s'écrouler. L'absence de fenêtres, de murs intérieurs ou de toitures font de ce masé un lieu accidentogène. Effectivement, il y a des poutres qui sont dans un état d'instabilité, il y a des pans de murs qui sont déjà tombés, une partie des escaliers est elle-même effondrée. Je le déconseillerais fortement d'aller s'y promener parce que bon, on peut tout simplement s'y faire mal. Malgré l'absence de preuves de l'existence d'un fantôme, le mas du diable nourrit encore l'imagination des esprits les plus énigmatiques. Si quelqu'un veut rêver, après tout, pourquoi pas ? Mais on peut rêver non seulement aux fantômes, mais on peut rêver à aussi faire une rencontre avec une belle routarde aux yeux bleus, avec qui on peut continuer une route tout à fait paisible. La SNCF, détentrice du terrain, devrait prochainement détruire le mas du diable pour le passage du TGV. Et déjà, des rumeurs courent que la maison ne se laissera pas faire. Ce territoire à Sainte-Anastasie, je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouveau numéro et une nouvelle émission dans une nouvelle commune dans le Languedoc-Roussillon. Je remercie tous ceux qui ont participé à l'émission et notamment Patrice Urlin ainsi que Frédéric Siller qui a signé les images. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site www.tvsud.fr. Bon week-end, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao.